Bonjour et bienvenue sur Fake News dans un flash spécial aujourd'hui, car nous sommes en direct depuis la Savoie avec notre reporter Roland Culé. Roland, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Robert, je suis actuellement en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne exactement, avec Monsieur Derek, qui a été témoin d'une scène épouvantable. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh ben, bonjour Michel et Robert, j'adore votre émission, je l'ai vu au moins 108 fois. Ben voilà, moi c'est Tom de Savoie, hein. Je suis de la famille Derek Tom de Saint-Jean-de-Maurienne, voilà. Voilà tout, et puis ben voilà, parce que ce problème ici chez nous, c'est quand même bien mieux que dans la yacht, parce que dans la yacht, peut-être qu'il y en a, ils ont des manches, ils tapent par les yeux, moi. De me voir, il me demande la direction, genre, oh, what the fuck? Oui, tout à fait. Mais pouvez-vous être plus clair sur ce dont vous avez été le témoin, s'il vous plaît? Non, mais bon, voilà, mais mon père, c'est le cousin germain de mon frère et de ma sœur. C'est aussi le petit-fils de l'oncle. Bon, bref, peu importe, de toute façon, on est des grandes familles ici, à Saint-Jean-de-Maurienne. Et, Rico, ta gueule! Rico, mais c'est qui ça, Rico? Putain de coq à la con! Le seul problème qu'on a en Montréal, c'est ces putains de corbeaux. Je sais pas si vous l'avez entendu. Des fois, ils nous chient sur la gueule, et ça, ça commence vraiment à gaver, hein! Revenons plutôt à nos moutons, si vous le voulez bien. Rico, ferme ta gueule, putain! Le coq à la con, c'est mon père, il m'achète un coq! Tout ça, il me dit que ça, tu te lèveras plutôt le matin pour aller travailler, lire tout ça. Lire. Moi, je lis déjà, regarde. Oh, c'est l'histoire des... Oh, mais bon, à la base, moi, je suis ici parce que vous avez été témoin de quelque chose. C'est vrai ou pas? J'ai rien compris. Bref, putain, je vais le choper encore. Oh, voilà, qu'est-ce qui nous fait le consanguin, là, encore? Bon, Dieu, ça, je me fais. Hein? Regarde-moi ça. Vous étiez en train de faire quoi, bon sang? Un coup. Rico, ta gueule! Con, ce coq! Mon gars, je suis pas venu dans ta cambrousse pour te voir chasser le pigeon, là. Alors tu la chies ta putain d'histoire ou quoi? Hey, l'autre fois, il me dit, faut que t'apprennes à écrire. J'apprends à écrire quoi? Il me dit, tu prends un stylo, t'écris. Je dis, un stylet, on dit, genre, c'est pas un stylo, hein. Je dis, c'est un stylet. Il me dit, non, c'est un stylo. Oh, ok. Alors j'ai pris le stylo, j'ai rendu, j'ai écrit un petit peu. Il me dit, t'as tout rayé la tablette. Écoute, si t'as pas un scoop intéressant, moi je me casse et je te laisse dans ton trou paumé. Ça va. Là, t'as pété, t'as fait un moment que je te le dis, hein. T'as fait un moment. Non, mais ça faisait un moment qu'il me réveille du matin, le midi, le matin, le soir, tout le temps. Bon, en fait, tu m'as fait venir dans ton trou pourri, là, pour rien. Vas-y, je me casse, putain. Eh hey mec, c'est pas où est la teuf? Vas-y, Roger, on se casse. Pose ta caméra. Et donc, de toute manière, inexorablement, voilà, je vais aller faire du snow. Attendez, c'est un corbeau, les corbeaux qui volent à l'envers, ça j'en ai rien, t'as fait ma soirée! Tiens! Ah, bah, j'ai failli dans les yeux. En tout cas, it's going to the snow! Oh, mais bien! Oh, Dieu, j'ai eu! Oh, il est beau! Oh! Oh, mon Dieu! Ça, c'est des. Oh, là, ça, c'est. Ça, c'est des corbeaux de Saint-Jean-de-Maurienne! Ça, c'est du. Ça, c'est du lourd! Bon, bah, les amis, hein! Moi, je vous dis bon vin! Hein? Voilà. Robert et Michel, on se voit une prochaine fois! Bon, en tout cas, j'ai les corbeaux de Saint-Jean-de-Maurienne! Avec ça, même si voilà l'envers, c'est mon porte-bonheur, je vais m'accrocher, mais c'est un dieu. Mais le casque, au cas où il y en a un autre qui me retombe sur la gueule, on sait jamais. Ah oui, oh, prends plus de chier, merde. Ah, il va bien, je vais mettre le casque, là. Et c'est bon. Ah, il fallait un dieu. Ah, bon, le casque. Ah, c'est plus loin, je fais. Ah, c'est un dieu. Ah, c'est un dieu.
Et c'est ainsi que se termine notre émission avec un reportage poignant signé Roland Culé. Alors, à la semaine prochaine sur Fake News. Et en attendant, abonnez-vous! I don't know.